Hi, hello, bonjour, bonsoir, salut. Exercice numéro 3, exercice number 3. Same key image, same progression, 1, 4, 1, 5, la même tonalité, mi majeur, la même progression, 1, 4 et 1, 5. Exercice numéro 3. Alors, je vais jouer. Donc, c'est une mélodie avec intervalle. Donc, je vais jouer la mélodie sans intervalle et puis avec intervalle. So, it's a melody with interval or thirds. I'm going to play the melody without interval and then with interval. Interval of the third. I'm not going to explain the intervals today. Not, this is not the aim of the lesson here. It's about practicing. So, je ne vais pas expliquer ce que les intervalles signifient, ce que ça veut dire. Ce n'est pas le but de la leçon. L'objectif ici, c'est de pratiquer. Ce sera l'intervalle de tierce. Alors, without interval, sans intervalle. With interval. Ok, normally it is like this. To shorten it, instead of traveling all the way to Australia, we're gonna make it short. So we're gonna play down, down, and then up. So the aim here, we're gonna have five lessons here, and then I'm gonna move to another shape, this shape, another five lessons. I'm gonna move here. From sixth lesson, we change the shape. À partir de la leçon 6, on va changer de forme. On va venir exploiter cette partie. Ça va sonner un peu solo. Bon, pas de souci. Alors, we continue. So now, let's show you how to play it. And then, just the aim here, it is to have one accompaniment, one line where you combine exercise 1, 2, 3. Donc, le but, c'est de jouer un seul accompagnement où vous mettez l'exercice 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, comme ça. Exercice numéro 1, 2,
Alors, c'est comme ça, l'accompagnement des rythmes, des chords. So, you just pick three strokes. Donc, trois coups pour l'accompagnement, pour les accords plutôt. Quatre ici. Fourth strokes here. The last is fourth strokes. Badam badaba. Bangam. But for the interval, it should be 3-3-3. Starting here, 5th fret, 2nd string, easy. Cinquième casin, deuxième corde. On commence ici. Donc on joue d'abord l'accord, playing the chord first. Playing the chord. And then from 7 slide to 9 and play it 7, second string. Deuxième corde, à partir de 7e case, on glisse jusqu'à 9e, puis on joue 7. Ok. Neuvième case, septième case, dixième. So 9 frets, 7 frets, 10 frets here. And then 4 strokes. Bagada, bagada, bagada. A little bit of difference. Now the interval is the same here. This two here, fifth fret and fourth fret. À partir de la cinquième ici, cinquième case. Then back here. Now here you play down, sharp down, down and here up, up. And again, up. So, sorry. So, and then ça, c'est 9e case, hein? Comme ça, partie de 9e ici. Et comme ça. Et puis. Ou bien. Ici, le choix, soit, you have two options. Hein? You pick as you want. But it is here from the 10 frets here, and then you play this 3 stroke and again